Comme d'habitude, je vais encore me faire avoir. En tout cas, c'est clair, on peut dire qu'on a fait le ménage. Voilà, la musique s'emballe. On va sauvegarder. Voilà, sauvegarde rapide. Oh putain, que ce soit. Ah, mais j'ai hâte de. Même. Reste pas bloqué, salut Joe. C'est bon. Alors lui, comme vous pouvez le voir, il est là-bas. Voilà. On a perdu trop plein de points de vie. Il s'est fait allumer la tronche. Mais putain. Complètement ouf, on n'a jamais vu ça. On va aller voir ce qui s'est passé là-bas, s'il y a eu un truc différent. N'empêche que j'aime bien cette musique quand même. Ça fait un petit peu. Bon, ça colle pas super bien, on va dire, d'après moi, ça. C'est pas le truc qui colle le mieux pour ce genre de combat parce que je trouve que ça fait assez africain, on va dire. Mais je trouve ça assez sympa. Non, par contre, s'il pouvait se dépêcher, le pauvre. Alors, je regarde un truc, mais. On peut pas marcher moins vite qu'en étant accompli. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Alors. C'est quoi ce bordel? Oh, on a réussi à prendre les ennemis par surprise. C'était assez intense et incroyable, même s'il y a un mec qui a réussi à nous tirer de dos alors que. Enfin bref, on s'en fout. L'important c'est qu'on leur ait éclaté leur tronche. On leur ait arraché leur maman, comme dirait certaines personnes. Pour ce soin. C'est pas la meilleure chose à faire vu qu'on est bien parti pour l'instant. Je vois pas où ils sont les ennemis. Alors j'aime bien parce que j'envoie une grenade, les mecs se sentent obligés d'envoyer une grenade eux aussi. Je trouve ça assez cool. C'est un combat de grenades en fait. Hop, voilà. Et 75 balles par pénétrateur. Bon, voilà visé.
Elle a pété ou pas là la grenade? D'accord, elle a pété mais on l'a pas entendu, c'est génial. Oh putain, mais j'ai entendu, je l'ai pas vu par contre. Putain! Oh putain! J'étais combien quoi? C'est le jeu qui me troll après. Appuyez sur P pour la touche de soin. Allez, c'est reparti. Putain! Quoi? On recommence de là? Oh come on. Je vais vous dire que je suis un petit peu énervé. Enfin, énervé, pas forcément, mais je suis un peu dégoûté quand même. Du coup, je ne sais plus si on avait été fouillé les autres trucs ou pas. Allez, tiens, donc on va changer direct. On va prendre le pénétrateur de ce gentil monsieur. Oui, alors quand je parle du pénétrateur, je parle bien de celui de Fear, hein. Je parle pas de. Celui de comment ils appellent ça, Sensro, hein. Alors bon, ce sont des formalités mais quand même je crois que c'est tout ce qu'il y avait à récupérer là, donc à la limite on va pas se faire chier, on va redescendre en mode bourrin, hein, quitte à perdre la vie. On l'a pas perdu, tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est ça que je voulais. J'ai l'impression que le temps. Enfin, le temps d'explosion, ça ne veut rien dire. Le temps que mettent certaines grenades à exploser. Et. Enfin, j'ai l'impression que ça varie en fait, suivant certaines grenades. Suivant les grenades, je veux dire. Parce qu'il y en a, elles mettent super longtemps. Il y en a d'autres, par contre, c'est vraiment. C'est genre. Allez, quoi. Il est où le dernier? Bon, apparemment on a eu tout le monde. C'est tant mieux. Et on est encore en pleine santé. Mais c'est cool. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder. Parce que je ne sais plus exactement où était le tas de Son of a Beach qui nous ont tués. Enfin Sons plutôt. Beach. Et donc on voit là déjà un. Voilà. Thank you.
Merde, c'est bien. Alors vous allez dire oui, il recharge beaucoup alors qu'il tire que 3 balles. Mais je sais pas, c'est un truc que j'aime bien faire dans les FPS, dès que je tue un ennemi, que ce soit n'importe quel FPS en fait d'ailleurs. Dès que je tue un ennemi, j'aime bien recharger parce que on sait jamais si je rencontrerai un autre ennemi. Bon, vous me direz, ça va, avec 22 balles dans le chargeur, il y a quand même de quoi faire, mais on sait jamais, on sait jamais. Hop, voilà. Donc c'est là qu'on va sauvegarder parce que c'est là que ça va être vraiment le gros fight. Et je sens que ça va être le gros fight qui va terminer le. Cet épisode en fait, vu que l'exosquelette doit pas être loin, voilà, il est là. Justement, quand on parle du loup, on en voit le bout de la queue. Voilà, ça c'est fait. Où il est, enfin, je sais pas où sont les autres en fait. D'accord, alors apparemment il y en a un là qui essaye de faire son foufou. Il est mort. Alors par contre j'aime bien parce que je dis oui, j'aime bien recharger mes munitions. Sauf le fusil particule, lui je recharge jamais quoi. J'attends qu'il se vide d'abord, on sait jamais. Bon, ça c'est fait, au moins il est rechargé. Il n'y a plus d'ennemis. C'est bizarre là qu'il n'y ait plus de lumière. Ah si. Oh là 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 là. Comme j'aime pas ça. D'accord. Vous aurez remarqué que maintenant, l'exosquelette se bat à la même arme que moi. Ce qui n'est pas super cool pour les autres, on va dire. Ça va, vise un peu comme une merde. Et ça fait encore plus de munitions. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en fait, les munitions qu'on perd parce que on tire sur le méchant là, ben, on les regagne juste après. Vous n'êtes pas l'un d'entre eux. Entre je ne pensais plus être secouru. Grâce à Dieu, elle va bien. Passez-la moi. Ah non, on va pas la passer. Pas tout de suite. D'abord, on écoute. Oh putain, de nouveaux messages. Message de Jack Abinger. Allez, dépêche-toi. C'est Abinger. Écoute, je sais ce que tu ressens, mais je ne vois pas d'autre solution. Nous devons purger la chambre. Il faut que quelqu'un y aille. Allez, allez, allez. La situation va continuer d'empirer. Si tu ne veux pas le faire pour nous, fais-le pour Alice. Pourquoi les pieds nus, elle ? Il vecchio. Arlan, t'avais raison. Cette salope veut faire sauter tout le site. Dieu seul sait qu'il va ramasser les morceaux quand son plan va se retourner contre elle. Ah, j'en ai assez de cette galère. Tu pourrais être en train de siroter des cocktails sur une plage de Tahiti quand les médias vont apprendre cette affaire. On se rappelle plus tard. Fin des messages. Mais écoutez, à Yanmar maintenant. D'accord, bon bah écoutez, on va passer à Alice, hein, et puis peut-être qu'il me tire un peu. Oui, nous allons vous sortir de là, mais vous ne devrez pas traiter. Je dois voir mon père. Où est-il ? Dans un bâtiment inconnu. Je ne le connais pas. Il n'y a même pas d'adresse. Je n'ai que les coordonnées. Les entrées sont cachées, mais je dispose des codes d'accès. Il semble que j'ai déjà les données. Mmh.
quelque chose dans son temps. Vous allez sur le toit. Un hélico est en route. Un hélicoptère? Je préférerais la voiture. La mienne est juste en bas sur le parking. Quoi, vous avez peur de voler? Un peu. Pourtant, c'est moins dangereux que la route. C'est ça. Vite, allons chercher mon père. Vous n'irez nulle part où vous ne soyez en sécurité. Quoi? Ne vous en faites pas, on récupérera votre père plus tard. Pas question, je ne vais nulle part tant que je ne sais pas s'il va bien. Vous pouvez oublier ça, je ne prends plus aucun risque. Bon, du coup nous on a pas eu notre révélation sur ça. Dommage, on s'est fait sucrer. Tant pis, tant pis. Bon bah moi je vous laisse là. Et je vous dis à bientôt donc pour la suite, pour l'épisode 9 de ce let's play sur Fear. A plus les amis, c'était Cipro de Mass Gaming.